Comme toujours, pour faire comprendre quelque chose à l'occasion d'une balade, on utilise le pas de sénateur. Donc, nous marchons au pas de sénateur. Haroun est devant comme d'habitude. Je le suis en marchant très lentement, mais dès qu'il sort de mon champ visuel, je m'arrête. Flore s'arrête aussi. C'est un hasard. Quelquefois, elle va un peu sur le côté. Quelquefois, elle reste à côté de moi. Là, ça y est, il est revenu. Il est tourné vers moi. Il se demande ce que je fais. Il pense que je vais le suivre parce que d'habitude je continue à marcher dans cette direction. Quelquefois je le félicite et je lui demande d'attendre, mais aujourd'hui je ne vais pas utiliser le mot attendre. Je veux qu'il revienne un peu vers moi. Il attend car il pense que je vais le suivre. S'il le voulait, il pourrait faire un tour. Je ne lui ai pas interdit d'aller faire un tour. Il est intrigué parce que je reste sur place. Là, je vais lui donner un petit message. Je me tourne légèrement. Le mouvement de la caméra le montre. Je pense qu'il le voit, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Mais le message, ce n'est pas « viens me voir », le message c'est « moi, je ne te suivrai pas ». Je ne sais pas s'il l'a vu. Je suppose que oui, car il jette des coups d'œil vers moi régulièrement. Je sais qu'il fait attention à moi à ce moment-là. Et là, ça y est, il revient. Je ne le félicite pas trop tôt parce que ce n'est pas un rappel. J'attends qu'il soit vraiment tout prêt. C'est bien, tu restes avec moi. Je n'ai pas caressé pour qu'il ne confonde pas avec tu viens me voir, parce qu'il est revenu vers moi et vers Flore. Je reprends simplement la marche, toujours au pas de sénateur. C'est bien, mon grand. C'est bien, tu restes avec moi. Lilou, tu restes avec moi? C'est bien, tu restes avec moi. Là, c'est bien, mon grand. C'est bien. Voilà, il a entendu une fois la demande. Nous reprenons la marche. Et je vais lui laisser la possibilité de fauter pour lui faire comprendre que je veux qu'il ne s'éloigne pas trop. Dès que je trouve qu'il s'éloigne trop, je m'arrête.
C'est bien, tu restes avec moi, mon grand. Alors ça, c'est bien. J'ai félicité dès qu'il était tout prêt. Et là, je reprends donc tout de suite ma marche au pas de sénateur. Je m'arrête volontairement. Ces arrêts font partie du pas de sénateur lorsqu'on est en mode éducation. Ça permet aussi au chien de rester. Et le fait que Haroun s'arrête aussi montre qu'il a compris qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. C'est bien, tu restes avec moi. Ça, c'est bien, mon grand. Ça, c'est bien. Je reprends ma marche doucement et je félicite en utilisant les mots parce que je sais qu'il les entend, ces mots, et qu'il commence peut-être à les associer à quelque chose. Là, il s'est arrêté parce qu'il ne sait pas si je vais tourner ou aller tout droit. C'est bien, tu restes avec moi. Alors ça, c'est bien, mon grand. Il est devant, mais s'arrête. Il sait qu'on va suivre, mais là, il ne s'éloigne vraiment pas trop. On marche légèrement plus vite, et dès qu'il s'éloigne un peu plus que je ne le veux, je m'arrête. J'ai marqué un léger arrêt et lui aussi, il a vu qu'au moment où il allait sortir de mon champ visuel, je m'arrêterais. Donc je peux continuer à avancer car lui, il est en train de m'attendre. Là, je pourrais dire, c'est bien, tu restes avec moi, éventuellement. Là, je caresse, parce que c'est la plus belle des récompenses, et je m'arrête. Je n'essaierai pas de lui en expliquer plus. Les paroles que j'ai prononcées sont suffisantes.
Et là, on reprend un rythme plus rapide que le pas du sénateur, et Haroun peut faire des tours comme il veut.